Pour l'instant, c'est juste du chiage dans le froc, hein. Rien d'autre, mon ref. Oh, fils de putain d'enclé ! Bonjour, les amis. Comment allez-vous ? Alors, est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous avez la bouche béante ? Ou est-ce que vous vous en battez les couilles ? Bon, peu importe. À la Zemmour. On commence du coup Alien Isolation, en parallèle à The Evil Within et Resident Evil 8 LOL sur la chaîne, parce que je voulais absolument faire ce jeu que j'ai fait aussi, tout comme The Evil Within 1 et 2 et tout comme Resident Evil 7 que j'ai fait il y a très longtemps. C'est-à-dire que Alien Isolation, je l'ai fait quand il venait de sortir, pareil, c'était dans l'année où il est sorti que je l'ai fait. Et lui, il est vraiment sorti à un moment, il me semble qu'il est sorti en tout début de génération Xbox One et PS4. Donc le jeu date vraiment, mais à l'époque, je me souviens que c'était un jeu déjà qui était jugé comme excessivement beau pour l'ère de son temps. Et ensuite, c'est un jeu qui m'avait vachement plu, en fait. Et je voulais absolument le faire. Je sais qu'il y en a plein qui me l'ont demandé, l'air de rien, qui m'ont demandé si j'allais faire Alien Isolation. La réponse est oui, les amis, et du coup, on alternera entre Resident Evil 8, Alien Isolation et The Evil Within 2, vu qu'on se rapproche un petit peu de la fin de The Evil Within 2. Du moins, on est plus proche de la fin que du début, les Roftons. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, les Roftons. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, tout ceci. Et le mot pour aujourd'hui, ce sera... faut que j'y réfléchisse à ça. Le mot pour aujourd'hui sera... pédoncule. C'est parfait, ça. Pédoncule. N'hésitez pas à écrire ça en commentaire, les Roftons. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça me fait beaucoup rire. Et sur ce, on va se lancer de suite, les amis. Donc du coup, première étape pour se chier dessus, c'est appuyer sur jouer au jeu. Et j'ai pris l'édition où du coup il y a les DLC. Si jamais le let's play vous plaît énormément, et surtout s'il me plaît énormément, je ferai du coup les DLC, éventuellement l'équipage peut être sacrifié et dernière survivante. Je n'ai jamais fait ces DLC contrairement au jeu, parce que moi j'avais vraiment le jeu de base à l'époque où je l'avais fait sur la Xbox One. Alors Alien Isolation, vas-y mon fille, commencer une partie. Vas-y, pourquoi le bouton continue une partie alors je n'ai jamais fait de partie sur PC? Ah mais ils sont grisés, ok, je peux pas. Ok, ah, ça c'est la grande question, ça, à chaque fois. Amateur, il marque juste amateur, en mode si t'es une grosse merde, joue en amateur. Novice, pour augmenter vos chances de survie. Quoi? Attends, c'est moi ou amateur est plus difficile que novice? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, ça. Est-ce qu'il sera assez con pour avoir mis une difficulté supérieure au-dessus de la difficulté inférieure? Parce que là, je vois juste amateur, donc pour moi, c'est genre si t'es amateur du jeu, genre en mode normal. Ou, je sais pas trop là. Oh, je suis bloqué au niveau de la difficulté. Oh putain, je suis bloqué dès le début sur le jeu, frérot. Amateur, novice, whatever, il y a un tel ce corse. Mais vous avez vos chances, expert, le mode recommandé pour jouer. Difficile et terrifiant. Le mode recommandé pour jouer. T'es fou, toi? Le mode recommandé pour jouer? Putain. Ok, les frérots, on va s'attendre à un expert. On va s'attendre à un expert, les frérots, on va faire les guerriers. Le mode recommandé pour jouer. Ils ont marqué le mode recommandé pour jouer, les frérots. Je tente. J'attends un expert, les frérots, mais toi, je le sens pas trop. Je sens que je vais me faire éclater comme une merde. Oh, ça va être terrible. Alors du coup, attends, à peine visible, si go, gna gna, mais couille. Ok, vas-y, on va configurer ça. Ok, si l'on vous voit courir, cachez-vous, vous sortez du champ de vie. Mais c'est sérieux, le premier conseil, frère, c'est de fuir comme une immense merde. C'est terrible. Ok, alors attendez, je vais fermer mon Velux. Afin de se mettre un petit peu dans l'ambiance et dans l'embarras du choix. In association with 20th Century Fox. Le rapport du véhicule commercial Nostromo. Oh. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Dallas sont morts. C'est chiant, ça. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ok, ouais, donc on commence vraiment dans la fontaine de merde. Je ne me souviens absolument plus du jeu, ni des enjeux, ni du scénario, ni de l'intrigue. Je ne me souviens de rien, les frérots. Le néant. Et c'est une très bonne chose, je suis très content. Parce que ce qui fait du coup que Resident Evil 8, je fais moins d'épisodes, c'est que comme je me souviens de tout, rien ne me surprend. Et du coup, je suis obligé d'y jouer à petite dose pour m'amuser, sinon je m'ennuie, en fait. Ouais. Oui, monsieur, pourquoi tu m'emmerdes? T'en as rien à foutre. Ouais, il est maudit, frérot.
au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station... Jusque-là, tu es inutile, du coup? C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Ah bien. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. Ah, Sébastopol, je me souviens par contre de ce nom. Plateforme d'accès. Je sais ce que c'est. Et ça dit rien qui vaille. Sébastopol, je me rappelle de ce truc, parce que ça me faisait beaucoup rire comme mot. Sébastopol. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Ouais. Notre voyage vers la station. Notre? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley. Pourquoi il y a des traces de sueur séchées partout là? Arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? Ah non, j'en ai rien à branler de ma mère. J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Mais quand Eric me parle comme ça dans l'oreille, c'est absolument terrifiant. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Frère, arrête de me susurrer des trucs, gros. On dirait que tu veux me fendre le boule, là. On dirait qu'il veut me déchirer tous les os du fion. C'est terrible. C'est ce don. Arrête. Mais arrête, monsieur. C'est donc ceci. Oh putain, c'est le début, ça sent déjà la merde. Oh, 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 YouTube ne me strike pas. Please sign in, très bien. Appuyez sur touche de déplacement pour marcher. Ok, les touches de déplacement ont été européanisées, ça c'est beau. Parce qu'évidemment, j'ai pas configuré mes touches parce que je suis un gros enculé. Bien entendu, c'est-à-dire que j'ai configuré les graphismes pour voir si c'était au max. Mais les touches... Bien sûr que non. Alors, il y a un coucou ici, très bien, c'est merveilleux. Là, il y a quoi? Quel est ce gros tas de déflexion? Qu'est-ce que c'est que ceci? Ok, des revues porno. Bon, jusque là on a relativement ma chambre. Et là, c'est pas vrai. Et là du coup, user sign in. Ah merde, oh, pardon, désolé. J'allais me signer sur le mauvais endroit. Ok frérot. Mise à jour, explorer le torrent, c'est très bien. C'est ce que nous allons faire, mon reftant. Ok, ici ça s'ouvre, je dois aller là ou là? Oh non, il y a une tenue là-bas. Bon. Petite mise à jour, habillez-vous. Allô, mademoiselle Ripley, ses habits. Où est ta cabine? Ok, accéder au terminal. Est-ce que je vais y foutre? On dit pas que c'est du blabla, frérot. Personnel, si c'est du blabla, allez hop, casse-toi. Ce qu'on veut, c'est voir des alliés et leur péter le cul. On est bien d'accord? On est bien d'accord, c'est super. Ok, chercher. Oh, frérot. D'accord, ok. Je peux d'ores et déjà récupérer du stuff. Ça, c'est carrément incroyable, frérot. Excusez. D'accord, ça va être injuste. Ça va être injuste, ok, très bien. Ah, va t'habiller, ma fille. C'est très bien, ma fille. Ok, parfait. Ok, on voit les jambes, du coup, de mademoiselle dans ce jeu. Ok, on peut encore chercher des trucs. Ok, prendre de la camelote à la con. Du coup, on peut sauvegarder déjà dès le début. Ça, c'est un truc que à la fois j'aime bien, à la fois j'en ai rien à foutre. Et on peut se doucher, frérot. Putain, c'est immersif. Ok. Bon, on va du coup juste faire une petite sauvegarde. Comme ça, la partie, elle est commencée. Ah, je me souviens que c'était long, ça, à chaque fois. Bah, bien sûr, frérot, que j'en ai à foutre de mes données actuelles. Un doigt au fion, les données actuelles. Sachant qu'il me semble que tu ne peux pas faire plusieurs sauvegardes dans Alien Isolation, et j'avais vu notamment un mec qui mourait en boucle sur Alien Isolation parce qu'en fait il a sauvegardé au moment où l'alien le tuait. Horrible, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, mais horrible le truc. Vraiment affreux. Genre j'ai eu de la peine pour lui. Il y a un peu trop de chemin là, c'est chiant. Ok, je vais aller me faire foutre. Et du coup tout droit ou à droite? Après tout on a fait la toux d'Éric Zemmour, donc on va se mettre vers la droite. Et oui. Ok. Oh, oh bonjour mademoiselle. Oh, on dirait Claudette Morel, mais un peu différente. Y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Bah, tu casses les couilles, toi. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages.
La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Weyland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Ouais, mais sucer, ça maintient pas envie, hein. Ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Ouais, il est maudit dans Samuel. C'est bon, la caméra, elle balance. Ouais, elle balance quand je bouge de gauche à droite. Ok, encore un truc dont j'en ai rien à foutre. Attends, je vais regarder, il fait ce qu'ils me disent. Ok, Taylor est partagé. Le truc, en fait, sur ces choses-là, c'est que il me semble, hein, je dis bien, il me semble, que... En fait, les messages comme ça, il y a des moments en fait où il y a des codes dedans. Ce qui fait que ça casse grave les couilles parce que t'es obligé de quand même regarder, tu vois ce que je veux dire? Si la mémoire est bonne, vous me direz en commentaire si je dis de la merde, hein. Mais il me semble qu'on doit... Ok, bon, pas de droit d'auteur en vue. Il me semble en fait qu'on doit en utiliser certains pour avoir des codes en fait, tout simplement. Ok, c'est utile ça, connard! Bon, on va sur de l'autre côté. Les gars, il fait tellement chaud. J'ai des océans de sueur sous les aisselles, c'est terrible. C'est absolument dramatique. J'ai vraiment... J'ai vraiment l'océan Indien qui est au niveau de mes aisselles, c'est dramatique. Ok, donc jusque là une échelle inaccessible, c'est intéressant. Donc en fait, je pense qu'ils ont fait tout ce truc parce qu'à l'époque, c'était genre considéré comme excessivement beau et du coup, les joueurs étaient impressionnés. Je suis toujours impressionné. Et par contre, je trouve plus ça excessivement beau. Vous êtes déjà debout? Bah oui, l'autre connasse cela dit. Je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. Frère, attends. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Non. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Ouais, sauf qu'on va pas rencontrer des soucis d'ordre légal, on va rencontrer des soucis d'ordre, on va se faire enculer, frérot. Autrement dit, elle sera complètement inutile. On est arrivé. Oh, Sébastopol, mec. Ok. Qu'est-ce que je vais en foutre? Oh, me broie pas, toi, s'il te plaît, me tue pas dans le tuto, hein. D'accord. Alors, la question que je suis en train de me poser, les frérots, si c'est du spoil, ne me spoilez pas, mais il me semble que le petit Samuel, là, c'est un androïde, genre, je crois. Parce que déjà, juste quand je l'ai vu, il avait pas d'âme, en fait, le frérot, tu vois. Celui qui fait une blague sur les roues est très malvenu. Mais c'est par où, bordel de merde? Attends, mec. Je suppose qu'il faut que je retourne voir l'autre connasse, c'est ça? Et que l'autre frérot, il va être avec? Ok, je suppose que ça va être par la porte où il y avait rien à foutre, c'est ça? Ouais, absolument, j'en étais sûr. Ok. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Ah oui, c'est vraiment super. Le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Oui. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. D'accord. C'est parti, au boulot. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Alors, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche. Oh! Taylor, t'es où? Séquence ouverte, capitaine. Taylor, je veux dire bonjour. Attends. Monsieur Taylor. Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Oh putain! T'as l'air vachement occupé à rien faire, frérot, c'est incroyable! C'est vrai que regarder un écran fixe doit. Vraiment être énergivore. C'est l'actrice de tous les films Alien, ça, ou pas du tout? Je sais pas. Non, je dirais que non, elle a le charisme d'une huître, donc je suis assez prêt à supposer que non. Ok, donc ici, j'ai rien à y foutre. Monsieur Samuel, bon, toi, tu sers à rien. Ok, je suppose que je dois m'asseoir sur un des sièges, mais je ne sais pas lequel, peut-être celui qui est tourné, là, celui-là? Absolument pas. Je dois faire quoi, en fait, là? Non, mais attends, je dois être complètement con, on va juste rester tranquille. Voilà, ramasser le briefing. Ok. Ah oui, c'est la guerre des étoiles! Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Alors vous en rendez pas compte parce que j'ai mis un limiteur. Mais la cinématique est à peu près 12 000 fois plus forte que le jeu. On dirait bien que oui, en effet. Sachant que tu ne peux pas différencier le son des deux. Hein. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. En effet. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Monsieur. Oui,
Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV-7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. On t'entend, Salpute, on reste s'il te plaît, d'être dans le micro. Sous Nostromo, nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Eh frérot, heureusement que j'ai mis les sous-titres, hein. Bon là, on comprend trois petits points, mais... Ok. C'est carrément inquiétant, frérot. Les communications de la station... Ah, mais ces bouses sont pour nous, pour aller dans l'espace, d'accord. Ouh, toi t'as la tête de vraiment du perso qui va mourir vite, hein. En position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Crois-tu? Crois-tu? Venez. On comptera par les papiers foutus sortis dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Elle se chie dessus, elle, la pauvre, hein. Oh là là, tu la sens la merde ou pas, là? Tu sens cette odeur horrible ou pas? Oh, c'est stylé en vrai, hein. Pour un jeu qui a... Bah, je crois qu'il... Attends. Il a presque 10 ans, le jeu, il me semble. Il est sorti à peu près en même temps que The Evil Within. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est vraiment, vraiment joli, hein. Oh putain, Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. Je l'ai un peu vu venir, je suis désolé. Oh, je deviens sourd, putain. Mais bénissez-moi d'avoir mis le... Le limiteur de bruit, hein, les frérots, vraiment, hein. Oh, oh frérot. Oh, merde. C'est vraiment stylé, mec, hein. Et bam, elle va tomber par terre comme une merde. J'avais prédit, mon ami. Ok. Système de transit intestinal de Sébastopol. Merde. Utiliser les conduits du plancher comme chemin alternatif à travers la station, chercher leur panneau signalétique. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a des espèces de conduits d'aération dans lesquels tu peux passer pour échapper aux ennemis, et notamment, évidemment, à l'alien. Et on tombe dessus, je ne sais plus quand, évidemment, l'alien, vous vous en doutez, pour mon plus grand... Bonheur. Allez, Ripley, t'inquiète. Ressaisis-toi, ça va aller. Serre les fesses, mademoiselle. Oui. La situation est vraiment génialissime. Ok, donc il y a un peu de feu, on fera attention. Trouver de l'aide. Ah oui, grand objectif, ça. Ok, se changer, je suis d'accord. Fais-moi un écran noir fondu, suivi de je suis changé. Impeccable. Ok. Du coup on est à poil maintenant, on peut toujours pas s'accroupir. Cette tenue est plus belle que celle-là, puisque celle-là ressemble à une tenue sur laquelle on aurait uriné de haut en bas. Ok, je peux sauvegarder. Utilisez les bornes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression, vous serez averti si des ennemis sont proches. Ah. Donc c'est-à-dire que le mec en fait qui est mort en boucle, c'est clairement de sa faute en fait. Ah ouais, vraiment, c'est juste en fait, vraiment, tu écrases en fait les données. T'as pas de sauvegarde, genre sauvegarde 1, sauvegarde 2, sauvegarde 3, comme sur The Evil Within, Resident Evil, etc. C'est vraiment juste, tu sauvegardes. Je trouve ça dommage, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire ce que vous pensez d'un système... Oh là, il va faire tout noir, mon fils. Vous me direz ce que vous pensez d'un système comme ça? Alors certes, c'est plus challengeant. Oh putain, faut pas que je dise que je suis un expert aussi. Ouais, bah ouais. C'est justement ce que j'avais prévu, j'allais pas faire le jeu, du coup. Dirais ce que vous en pensez du fait qu'ils aient mis vraiment ce système de sauvegarde... Du fait qu'ils aient vraiment mis ce système de... Oh, le cul de Jésus-Marie-Joseph! Vas-y, mon fils. Le fait qu'ils aient mis ce système de sauvegarde, en fait, vraiment une à une, tu vois ce que je veux dire? Genre une seule sauvegarde par une seule sauvegarde.
Oh là là, il y a mes testicules qui ballottent. Oh là, ça c'est joli quand même. Et ça secoue. Ok, je peux sortir par là. Alors déjà, je vais changer ma touche utilisée parce que moi, c'est jamais sûr. C'est jamais sur eux utilisé personnellement. Ok, et du coup... Pourquoi ma touche... What the f... Ok, et c'est quoi ma touche pour crouch? Ah, c'est C, d'accord, ok. Ok, du coup, je peux faire genre des... Tu regardes de haut, là? Tu fais quoi, là? T'es qui? C'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a de la cam merde, là, à utiliser éventuellement? Putain, les refs, je vais juste assigner mes touches, j'arrive de suite. Hein. Ok, les refs, donc c'est bon, j'ai assigné mes touches, les frérots. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Voilà, maintenant, c'est F pour accéder au terminal. Est-ce qu'on va avoir une information intéressante ou encore du blabla? Alors, fichier corrompu, va te faire foutre. Ah oui, vraiment corrompu, de chez corrompu. Ok. Démantèlement. Et démantèlement, pour les enfants, vous avez déjà sûrement entendu des bruits au courant de mes couilles et fichier corrompu. Ok, d'accord. Si vous voulez lire les frérots, n'hésitez pas à mettre sur pause, bien entendu. Moi, j'admettrai m'en battre un petit peu les couilles de certaines... Oh, putain de merde. De certaines choses. Elle a une notion de la gravité qui lui est très propre, hein. Ok, je vois un frère. Bon sang. Elle a ramassé la Rofton, la pauvre. Ok, je peux pas aller là. Ok, il y a le menu radial, c'est mais je suis plus sûr quelle touche il est. Sur... Ah, pour ouvrir l'inventaire. Ah, voilà, c'est celui-là. Ok. Utiliser avec mouse. R pour activer. Donc c'est pour activer ce truc, je suppose. Ouais, ok. Ok, j'aime bien l'éclairage, il est joli. Ah, viser et R pour lancer. Ok, jusque là on est d'accord. Pour l'instant je vais le garder dans la main, hein, ça ne dérange personne. Ok, ouais, ok, la Camelot, c'est parfait. Waouh frérot, il y a des bruits de pas. Ok, je vais grimper. Oh la caméra frère. Waouh la caméra frérot. Oui oui oui. Le FOV est très petit. Ah oui, j'ai vu qu'on pouvait le modifier, le FOV. Je me demande genre... jusqu'à combien. Parce que je trouve que c'est très serré. On va mettre plus pour voir. Parce que c'est quand même très très très... Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ah ouais frère, il est à 47 frérot, ils abusent. 37 le FOV. Et genre 65, c'est le FOV de Call of Duty de base sur console. Je sais pas si vous le savez. C'est 65. On va le mettre au max pour voir si la différence est vraiment complètement abusée ou pas. Ouais, on va peut-être être à 65. Là, c'est un peu abusé. J'ai littéralement l'impression d'être genre une mouche, tu vois ce que je veux dire? Ok, hop. Comme ça, c'est pas mal. Ok, le FOV Call of Duty me convient. Ok, un agent collant. Eh oh, y a quelqu'un. Attends, je vais juste faire un truc, les frérots, c'est que je vais aller fouiller l'endroit que j'ai pas fouillé là juste avant. Le. Oh putain, elle peut pas descendre les échelles vite. Là, parce que vous voyez, ici, là, j'ai pas fouillé. J'aurais bien fouillé quand même. Peut-être qu'il y avait rien à faire et que je suis en train de faire ce trajet pour rien et ça casse les couilles. Putain de merde. Ok. Un agent collant. Oh putain. Un agent collant et c'est tout. Ok, bon, on avait fait de revenir, ça nous a permis de récupérer des trucs. Mot de passe requis. Bordel de merde. Oh. Lodi bidon. Ok, keep out, bon, la classique. This life for the land. What are you saying? Mettre à jour la carte, utiliser tab, ok. D'accord. Ok, bon, la carte elle est un peu old school, frérot. Est-ce qu'il y a de la musique, mon ref? Je suis vraiment en train de me poser la question là. Genre, est-ce qu'il y a de la musique? Je l'ai baissé. On va la laisser comme ça. Parce que j'aime pas non plus que la musique m'envahisse, tu vois ce que je veux dire? Ok. Allez frérot. Ouais. Continue. Ok. Je suppose que c'est le courant ou une connerie dans le genre. C'est le courant. Lodi bidon. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir le mot de passe du coup du truc d'en face dans cette saloperie de merde. 0340, ok. On a vu le mot de passe. F, ok. Il y a un autre mot de passe? Non, il n'y a pas d'autre mot de passe. Merde. Oh putain de bon Dieu. Mec, ils sont sur un truc du futur, frérot, il y a un chargement pour toutes les actions que tu fais.
Rétablir le courant des départs. Ok frérot. Ça marche, on peut sauvegarder vite fait. Mon frère, trop de bruit. Trop de bruit mon ref. Ah merde, c'était quoi le mot de passe déjà? Oh, je suis vraiment un cul. Attends mec. Enregistrement, message du Nostromo. Registre personnel. Ok, c'est où genre le mot de passe? Mon ref. Me dis pas qu'il fallait que je fasse utiliser pour que cette conne elle note le mot de passe quand même. Ils ont pas fait un truc aussi absurde frérot. 0340. Ok. Bah 0340 du coup, ok, et du coup en fait elle note pas le mot de passe nulle part, c'est genre juste je dois le retenir. Parce que c'est connu, tous les joueurs de jeux vidéo sont absolument débiles et j'en fais partie. Donc du coup je retiens pas en fait. Je retiens pas le 0340 frérot. Frère j'entends des paroles, ça me fait peur. 0340, ok. 0. Connard. Eh ben. Alors là. Ah faut faire entrer putain. Ok. Ramasser du mélange B. Ça marche mon ref. Des amorces. Ok, encore de la merde. J'ai vu Medikit. Donc du coup je pourrais soigner mon petit cul qui s'est fait blesser par la chute. Ok, Medikit. Clic gauche pour fabriquer. Ah clic gauche, putain j'appuie sur clic droit frérot. Ok. Ouais. Ok mon ref, je comprends pas ce que je fais là. Attends. Engager l'élément. Mais... bon. On verra plus tard hein. Faut juste le temps que ma stupidité aberrante s'adapte au mécanisme du jeu. C'est-à-dire qu'au début je suis du genre à ne pas du tout comprendre et après à les maîtriser complètement en fait. En fait je me dis chaque fois que j'ai pas dû comprendre correctement et en fait si j'avais parfaitement compris correctement et du coup je... j'ai peur en fait de perdre du temps pour rien. Alors qu'en fait c'est pas le cas. Allez mon ref. Ah attends, on va re-sauvegarder. Comprends, on a ouvert une porte. Allez, sors la carte de ton cul. Voilà, parfait. L'audibido. Ah. Donc ceci était un danger, j'avais pas capté. On a chié sur ma planète. Oh! C'est un beau JPEG, y a rien à dire. Ok, y a rien à foutre ici. Est-ce que cette porte est traversable? Ou pas? Soudeur ionique? Mais frérot, mais toi t'as marché sur le cul en fait. J'ai la gueule de quelqu'un qui a un soudeur ionique, mon ref. Alors là où je suis très content. C'est que l'endurance est parfaitement illimitée, ce qui fait que je peux courir. Alors certes, je cours à la vitesse d'une... Oh, j'ai parlé trop vite, frère, elle est pas du tout illimitée. Mec, j'ai un niveau de mort, il est si élevé. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? Je suis là, Verlaine. Verlaine, venez me sauver. Contactez le Torrens, ok. Non, si, en fait, j'ai endurance illimitée, je dis des conneries. Ah, les bâtards. En fait, si, j'ai endurance illimitée, c'est juste que je ne pouvais pas courir du fait qu'il y avait une cinématique. Oh, 10-01. Ok, retenez 10... Ouais, Oh putain, j'ai cru que là... Oh! Frère, il y a eu un reflet, je pense que c'était juste mon cerveau, frère, je crois que c'était un alien. Bon, c'est pas par du B, 10-01. Ok, ici y a rien à foutre, ok, donc j'ai pas fait de faire tout le tour, en fait, c'était vraiment le pattern logique. C'était le pattern de l'audibido. Ok, est-ce qu'il y a un truc à ouvrir ici? 10-01, rétablir le putain, tu me pètes les couilles. Ok. «
L'audi bidon. Un fumigène. Je vais pas le prendre parce que ma paire de couilles absolument... Oh oui. Parce que ma paire de couilles absolument... Oh, il y a des bruits, j'aime pas ça. Allez ma fille, pourquoi tu dois t'y reprendre à chaque fois? Pas à trois fois. Pour le power level. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Faut glisser là-dessous? Pas du tout, frérot. Les sous-titres, ils sont dans mon cul ou? Putain. Mon ref, j'ai cru que t'étais un être humain. Et de l'éthanol. Ouais. Ok. Ça m'intéressait ce que tu disais, frérot. Jones. Ouais. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ok, alors je sais pas vous, mais le compteur qu'il y avait à droite me stressait de ouf. Et en fait c'était rien du tout, c'était juste le temps que dure le... C'était juste le temps que dure le message vocal en fait. C'était genre juste ça. Ok frérot. Hop, on peut re-sauvegarder. Est-ce que éventuellement... Oh putain les bâtards. Ok. L'audibido, ok. Oh frérot, j'aime pas ça hein. Oi oi oi. Oi oi oi. L'audibido. Sortir en escaladant. Oh putain mec, elle a des trapèzes la replay. Ok, alors surtout si je passe à côté de certaines choses, non pas de statues, mais d'éventuelles choses utiles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien entendu. Hein. N'hésitez pas à m'aider les amis. Tout est en train de partir en morceaux. Oui, et toi avec ma chérie. Et en te faisant contrôler par Monsieur Cadet, je sens que tu vas mourir encore plus. Avancez, monsieur, s'il vous plaît, veuillez pousser votre petit rectum. Ok. Je vais passer par ici. J'ai peur de ces trucs maintenant, putain, j'ai pris des dégâts juste avant à cause de... De ça. Oi, oi, oi. Ok. Bon, pour l'instant, c'est juste du chiage dans le froc, hein. Rien d'autre, mon ref. Oh, fils de putain d'enculé de ta race! Putain, mais quel connard, lui! Putain de sac à merde! Mais qui est cet étron qui court là? Putain, je vais le rattraper, il va prendre le plus gros dos au cul qu'il a jamais vu de sa vie. Hein. Mais bon, 10-01, ça va le retenir, il est clairement marqué partout. Enfin, je suppose. Bonjour messieurs, y aurait-il éventuellement quelque chose à faire dans ce pays de merde? J'aimerais boire l'eau d'Ibidon, s'il vous plaît. Une porte verte, des personnes en parfait état de santé, visiblement. Lire. Ça doit sûrement être la sortie. J'ai trouvé le dernier joint de transmission, ça m'a pris un peu de temps. Oh, je me rappelle de ça, maintenant. Dites maintenant, je me rappelle de ce truc là. Fixer la dernière attache de sécurité. Ouais. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite on pourra se barrer d'ici. Putain mec, j'entends des bruits de partout. Le moindre craquement est... Enfin mal-toi que tu veux. Ok, bon bah je suis pas ton pote, du coup je manierai pas, je vais juste contenter de m'avancer, enfin d'avancer dans le jeu de manière absolument lâche. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde encore? Oh putain. Il y a ça. Il y a ici, je pense qu'on aura besoin de l'outil de maintenance du coup, pour accéder à la suite de cette zone. On va activer ça, si tu veux bien. Allez.
Allez, ma fille. Ok. La lumière, j'aime bien la lumière. C'est sympa la lumière. J'ai l'intégralité de la mer qui couvre la terre sous les aisselles, les frérots. De un, parce que j'ai chaud, et de deux, parce que je suis très courageux. Ok, d'accord, ça a ouvert des portes auxquelles j'avais accès de toute manière. Parce que là, on est très heureux. Oh, mais un dos au cul et ça glisse, putain, cette sonde ionique de mon fion, là. Mais putain, mais c'est pas... Mec, tout est fermé. Oh. Oh. Oh, ok, on va passer par l'autre chemin. Hein. Oula. Ça sent l'eau. Oh, ça sent l'eau du bidon. Ok. Nick le Marshall. Très bien, mon fils. Je m'aviserai d'effectuer cette tâche rondement demandée. Ok. Pour se cacher. C'est une blague? Oui. Il y avait une tête, frère. Ok, il y a un truc à prendre ici. Ok, encore un journal. Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Ok. Ok, je vais sauvegarder vite fait. Et du coup... Alors attends, fiston. Hop! Et du coup, on va voir ce que nous réserve la suite. Il nous reste environ 5-10 minutes. Il nous réserve la suite de cette merde. Mec, je perle des aisselles, frérot, mais un truc d'une autre planète. Oh putain, ils ont explosé mes testiboules! C'est incroyable. Ok. Enfin, bah, testiboules du coup. Oh! Merde. Ça a l'air chiant hein, ce qui t'arrive quand même. Hein. Ok, je vois un truc qui pourrait. Il me semble qu'on sert d'arme, mais je suis pas sûr, je sais plus. Je sais plus si. Déjà, je sais même plus si elle est une arme de corps à corps. Je sais qu'elle a des armes, il y a notamment, je crois, le lance-flamme qui va marquer. Mais alors, le reste des armes, frérot, pff, aucune idée. Je me rappelais même pas qu'on a des fusées éclairantes, le truc qu'on a eu au départ, donc c'est vous dire. Vraiment. Allez, frérot. Waouh, il s'est fait tirer comme une merde au soleil. Ok, plaque d'identité. Outil de maintenance, j'aime bien ça. Ok. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Alors, les gars, si quelqu'un s'y connaît suffisamment, est-ce que c'est possible qu'il y ait des insectes comme il y en a là, sur un corps dans l'espace? Ma question est très sérieuse, dites-le moi en commentaire. Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. Ouais. W-A-D-S-O-N. Ok, parce que là, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger, c'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne sait ce que c'est. Pourquoi ils ne disent pas, les Marshall? Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je vais déposer une plainte. J'ai déjà dit non. Bah oui, tu casses les couilles d'ailleurs. Bon, excuse-moi, je vais retirer ça. Ok. Je crois que cette saloperie marche même pas. D'accord. Je peux prendre mon truc qui est fait pour casser la gueule à genre des gens? Ou pas? Ou mon outil de maintenance il sert à que dalle en fait, et il sert juste à ouvrir des trucs, elle peut même pas s'en servir pour foutre des putains de droites. Ah ouais frérot, genre il me sert absolument à rien, non? Ok, donc je suis toujours à poil, juste un outil de maintenance. Super ça. J'ai rien pour foutre des droites? Frérot. Arrête. Ok. Ok mon ref, vas-y. Ok ma fille.
retiens East. Ok, bon, encore l'autre con qui parle. East. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Wait. On vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Marqué quoi là ? Je viens m'assurer que quelqu'un soit responsable. J'arrive pas à lire ce qui a marqué. Mais bon, j'ai retourné ma tête, les frérots, j'ai pas réussi à lire. Turner, arrête l'enregistrement. Il y a un bon gros B ici. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Mais bon, en gros, tu. Frérot. Lodi bidon. Ok. Mais non, je peux sauvegarder, putain. Bordel. Ok. Bon, bah les refs-tons du coup, pour ce premier épisode, ça va s'arrêter ici. L'intro est un peu longue, on s'est un peu chié dessus grâce à des jumpscares, on n'a pas encore rencontré l'ennemi, je pense que ça va arriver, sur mon avis, au tout début du prochain épisode. Je pense très honnêtement, je pense pas que le jeu nous fera attendre plus longtemps avant de nous péter les couilles. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère que vous êtes contents qu'il y ait un autre jeu qui soit joué en let's play, les amis, comme d'habitude. La suite de The Evil arrivera toujours tout au même rythme, donc du coup peut-être demain ou après-demain. Je pense plutôt demain, honnêtement, les frérots. Mais encore une fois, on verra. Je fais toujours au gré de mon envie, de ce que je sens le plus au moment d'enregistrer les roughtons. N'hésitez pas à rejoindre Kali-TV pour voir des lives de temps en temps. Alors là, en ce moment, je live moins, mais il y a des moments où ça va reprendre, c'est sûr. C'est surtout à cause de la chaleur que je ne live pas parce qu'il fait excessivement chaud et que il fait chaud, vraiment, il fait très très chaud, et pour faire un live de 2h ou 3h, c'est énergivore de ouf. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en bio, les amis, et aussi à rejoindre le Insta, Kali Vroom Vroom les Reftons. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci pour tout, merci pour votre force. Je vous fais de gros bisous, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le fait de faire l'isolation vous plaît, les amis. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.